Il n'y a que des grands crus. Personne ne connaît le fruit de la vigne comme Jasquier. C'est le luth que lui ont offert les elfes de Dol Blathana. Ouais. En temps normal, ils s'en séparent jamais. L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pancratz, vicomte de Lettenov, le titre de maître des sept arts libéraux. Il a vraiment un nom à coucher dehors. Concours annuel de balade, laurier d'argent, attribué à Maître Jasquier. Et remis par le prince Erewhard lui-même. On a fêté ça dignement, tu peux me croire. Jasquier a réussi à faire chanter un cochon et moi j'ai... Ah, oh, je te raconterai ça plus tard. Dix tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Soden. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Ne me dis pas que Jasquier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans... Il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privés. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Hé, le cochon! Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. On peut chercher par là. Baratineur comme il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va ? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors ? Ça t'étonne vraiment ? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. Thank you.
encore là? Tu cherches quelque chose? Regarde juste s'il manque rien. Ces ordures seraient bien capables d'avoir barboté des trucs de valeur. Prends ton temps. Au fait, j'ai une question à te poser sur une des filles. Elle aime la soie et la dentelle, mais foin ne la rebute pas, pourvu que l'étreinte soit douce. Molly. C'est une domestique de la baronne de la Valette. Il a préféré la femme de chambre à la baronne elle-même? Jusqu'à ce n'est pas sectaire, tu le sais aussi bien que moi. Comme il dit souvent, dans l'alcôve, nous sommes tous égaux. Oui. Et j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Si je ne le connaissais pas, je dirais qu'il en pince pour cette Marabelle. Ça m'étonnerait. C'est une ancienne élève. Et une sacrée diablesse au lit. Je préfère ne rien savoir. Ça vaut mieux, crois-moi. Entre ces deux-là, les choses ont fini par mal tourner. Ce qui veut dire? Elle lui faisait porter des costumes de bouffon. Elle l'appelait Christian, et l'obligeait à l'appeler Anastasia. Ouh là là, quelle perversité! Attends, c'est pas fini. Un jour, elle l'a appelé mon étalon. Lui, bien sûr, il était tout flatté. Jusqu'au moment où elle a sorti un mort et une bride. Je peux te dire qu'il a pris ses jambes à son cou. N'est-ce plus là? Ça me dit quelque chose. Ce n'est pas elle qui l'avait jeté dehors, les fesses à l'air? Oui, ça aussi. Et qu'il avait traité de goujat à la voix de Fosset, dénué de la moindre once de talent? Oui, ça aussi. Et lui avait jeté des pots de fleurs au visage? C'est ce qu'on appelle l'amour vache. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale et de civilité, elle préfère son nain au dard si acéré. Son nain? Je ne savais pas Jasquier si modeste. Le nain, c'est le nom que Rosa Varâtre donne à son gouir. Elle a de l'humour, la petite. Son père est un aristocrate nilfgaardien de la délégation impériale. Jasquier était censé enseigner l'art de la rhétorique à Rosa et à sa sœur. Mais Rosa préférait l'escrime. Comment? Elle a rejeté le plus grand barde de notre temps pour un simple maître d'armes? Pas qu'un seul, apparemment. Chaque semaine, elle démolit un nouvel instructeur. À tel point qu'ils finissent par démissionner. Et son père est toujours à la recherche d'une nouvelle victime. Pardon. Professeur. Silhouette divine, jumelle créature, bien folle qui prétend connaître sa nature. Eh bien, on dirait que Jasquier est tombé sous le charme. Pas étonnant. En général, les femmes elfes me laissent de glace, mais celle-ci est exceptionnelle. Francesca Findaber n'a qu'à bien se tenir. Je te la laisse si tu veux. C'est gentil, mais non. Pourquoi? La beauté elfique, c'est comme le bon vin. Faut savoir l'apprécier. Moi, je préfère une bonne vodka cul sec. Bon, je crois que c'est tout. Merci pour ton aide. Ni ristourne, ni crédit. Je vais payer, jusqu'au dernier sou, et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine, pitié! Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon... À l'aide! Inutile de crier, roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être? Pourquoi pas? T'approche pas, Grison, c'est pas ton problème. Vespula a changé de protecteur. Vraiment? Et c'est qui? C'est moi,
Mes tarifs sont bien plus intéressants. Ah ouais? On va voir si elle a gagné au change, alors. Surtout. Désolée, je ne suis pas une ingrate. Merci de votre aide. Mais... j'ai tout perdu. Vous avez peut-être oublié, mais... on se connaît. Mais oui, c'est vrai. Vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vase quand... Le jour où vous avez fait passer Jaskier par le balcon, c'est bien ça, oui. En fait, c'est lui que je cherche. Vous savez où il est? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Jaskier vous a posé des questions sur les autres lavandières. Je les connais plus subtiles. Peut-être qu'il aime la mousse, allez savoir. Oui, enfin... qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement? Rien de précis, en fait. Comment ça se passait au lavoir, qui étaient mes amis, les horaires de travail. Peut-être qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne. Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien. Cette femme sur les quais... vous savez qui c'est? Une nièce de Kovir, soi-disant. Nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jaskier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Merci pour votre aide. Si jamais je vois Jaskier, vous avez un message pour lui? Non. Enfin... dites-lui que c'est un bonimenteur, mais que... qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Un orage. Manquait plus que ça. Bienvenue. Bienvenue. Entrez donc. Je suis un ami de Jaskier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elie Hall était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens.
C'est mieux comme ça? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. Que s'est-il passé? D'après vous, nous avons parlé. C'est tout? Écoutez, que les choses soient bien claires, les hommes ne m'intéressent pas. J'ai dit la même chose à Jasquier, d'ailleurs. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Jasquier est un de vos clients réguliers? Ses goûts vestimentaires laissaient à désirer, mais oui. Il venait souvent me demander de changer un bouton ou rapisser un pourpoint. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a quelque temps déjà. Il m'a apporté un gilet de Zoltan. Il voulait y coudre une poche supplémentaire. Drôle de requête, à vrai dire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il voulait discuter. De quoi avez-vous parlé avec Jasquier? Il vous a posé des questions? Nous avons discuté de tout et de rien, je crois. Non, attendez. Il n'arrêtait pas de parler d'un certain Kalkstein. Si je ne connaissais pas Jasquier, j'aurais tout de suite pensé qu'il était follement épris de cet alchimiste. Il parlait de lui comme un jeune homme en mal d'amour. En fait, je crois qu'il cherchait un moyen de le rencontrer. Il vit à Novigrad, ce Kalkstein. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Vous arrivez trop tard. Les chasseurs de sorcières l'ont arrêté et brûlé sur la place du Hiérarque. Au moment de sa mort, des bêtes de feu ont tournoyé autour de son bûcher avant de s'élever dans le ciel pour former des lettres. Et ces lettres, que disaient-elles? Radovid suce des bites molles. Je sais que ça ne me regarde pas, mais pourquoi... Pourquoi cette tenue? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un Doppler. Je suis devenu tailleur. Et j'ai découvert que les vêtements permettent d'exprimer toutes les facettes d'une personnalité. Comtesse rhédanienne un jour, voyou des bas quartiers le lendemain, je suis libre. Vous n'avez jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, même pour un instant? Quel ennui d'être un sorceleur toute sa vie. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Tu as du sang. Les types dans ton genre de devraient être bien. Excusez-moi, je cherche Marabelle. C'est moi. Attendez dehors, la leçon n'est pas terminée. Je vais attendre. Ce ne sera pas long. Eh bien, il ne pourra pas venir, en fait. Bon, pourquoi? Il a été mordu par un rat et il est tombé malade. Il a été mordu où? Il a eu très mal. Il va mourir? Bête, un rat, ça fait pas mourir. Si, d'abord. L'autre jour, il y a un gars qui a traité son voisin de sale rat. Et ensuite, l'autre, il l'a tué.
Menteuse! Ça suffit. La classe est finie. Ramassez vos affaires. Vous êtes un sorcier? Je me demande si le ratier va guérir. Il y a peu de chance. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ma maman, elle dit que quand on a de la toux, c'est comme si on était déjà mort. Alors t'imagines quand on a de la fièvre? Pouvons-nous parler maintenant? Oui. Que voulez-vous, juste? Je sais que vous avez vu Jaskier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non. Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. Vous avez revu Jaskier après cet incident? Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai trouvé un poème de Jaskier. Il vous décrit comme une femme aux multiples talents, dirons-nous. Vraiment? Et mes poèmes, il en parle aussi? J'ai une passion pour les chevaux, vous comprenez? Depuis toujours, je cherche les mots pour décrire leur indomptable beauté. Vous avez vu mes poèmes chez Jaskier, peut-être? Non, désolé. Je n'ai rien trouvé. Hi-ha! Tel un serpent. Le fouet se dresse, hi-ho, et clac! L'animal est dompté, les talons dansent entre ses cuisses, et là s'engage une folle chevauchée. Désolé, je n'ai vraiment pas une âme de poète. Merci de votre aide. Au revoir. Monsieur, pourquoi ils sont tout bizarres, vos yeux?
C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Gérald de Rive. J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne, général, vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Oui, nous avons eu l'occasion de discuter lorsque l'Empereur m'a convoqué à Vizima. Aviez-vous contrarié Varem Reis? Non, vous seriez mort si c'était le cas. Vous devez donc avoir un intérêt commun. Mais nous devrions discuter de tout cela en privé. Acceptez mon invitation. Vous pourrez m'expliquer la raison de votre présence. Je cherche une fille. Une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelbud. Gérald pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur? Une petite diversion mondaine, ça vous tente? Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y. Nous y voilà. Mon père possédait un domaine similaire à Bruges. Enfant, j'aimais m'y rendre pour monter à cheval. Allons voir les chevaux. Vous aimez les chevaux, Gérald? Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux Ablette. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs, un vrai pur sang Nilfgaardien. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, général. Que pensez-vous de l'alezan et du bai? L'alezan s'appelle Foudre, c'est un pur sang rédanien. Une fière monture, mais trop fougueux pour moi. Il n'en fait qu'à sa tête. Quant au bai, c'est une acquisition récente du seigneur de Volt. Il vient tout droit des Éricania. Je ne le connais guère, mais c'est une race réputée pour son endurance. Molly serait-elle devenue une jument? Je vous demande pardon. C'est pour elle que je suis ici, je vous rappelle. Patience, elle ne devrait plus tarder. Je lui ai demandé de nous rejoindre aussi vite que possible. Elle sera bientôt là. Très bien, si vous le dites. J'imagine que je n'ai pas vraiment le choix, de toute façon. Patiente. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien peu dire, Gérald. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle sur cela. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course? Je ne suis pas ici pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier sur cela. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Pourquoi pas? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux, aussi bien que vous les connaissez. Bien dit, sorceleur. Eh bien, quelle monture choisissez-vous? J'ai connu un Caïr autrefois. La jument grise me plaît bien. Je la prends. Très bien. Quant à moi, je vais parier sur le vainqueur.
Ce sera Nemrod, j'en suis sûre. Eh bien, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le baie de Zerikania. Bien, qu'attendons-nous? Allons-y. Vous êtes prêts? J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Encore un étranger. Ah! Ménagez pas votre monture. Magnifique! Quelle superbe victoire! Merci. Pour quelqu'un qui nomme tous ses chevaux pareils, vous êtes un remarquable cavalier, sorceleur. Toutes mes félicitations. Ceci vous revient de droit. Et maintenant, puis-je parler à votre femme de chambre, madame? Ah oui, Molly. C'est pour elle que vous êtes venue, après tout. C'est la jeune femme plantureuse, là-bas. Allez lui parler, puis venez nous retrouver lorsque vous serez prêts à regagner Novigrad. Nous serions ravis de faire route avec vous. Ah, tout ça. Il n'y a rien de plus douloureux que la vie. Je suis Molly, messire. Vous vouliez me voir? Appelez-moi Geralt. Geralt? Le Geralt? Celui que Jaskier a tiré d'affaire à maintes reprises? Ah oui, ce brave Jaskier. Je ne serais pas ici sans lui. Il m'a raconté toutes vos aventures. Tous ces chants guerriers, ou encore la fois où il a dompté un Kairan avec son luth. Quand je dis que je ne serai pas ici sans lui, je suis sérieux. Je suis à sa recherche. Vous savez où il est? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jaskier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez? Mais sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jaskier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette sœur? Non. Désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jaskier faisait mine de ne pas entendre et il changeait de sujet. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jaskier? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge? Pourquoi faire? M'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille. Et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jaskier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci,
et bonne chance pour vos recherches. Que vient faire un sorceleur par... Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien? Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, Général. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route. Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Ce matin, Greta m'a rapporté des nouvelles du marché. Il y a eu de mystérieux meurtres dans cette maison. Ça flague ! La Greta a plus d'imagination de faire un combat de jour. Mon père, il aime pas trop. Cheveux blancs, venez donc jeter un œil. C'est ce qui est bon jusque dans l'heure. Non, il s'est faufilé par un truand. Je ne suis pas raciste. N'oubliez pas. Que voulez-vous? Je viens pour Rosa Var Atre. Je suis son nouveau maître d'armes. Suivez-moi. Dame Rosa vous attend. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, c'est une prétendue. Encore un étranger qui débarque. Prenez une épée en bois et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon il vous en coûtera. Suivez-moi. Ugh!